les connards. Allô. Allô, Mathieu. C'est Mathieu. Ouais. Yeah. J'étais en train de te préparer un message. Bon. Je viens de passer Aix, donc je vais pas trop tarder. Hein. Eh bien, je suis avec Mathieu. Bonjour. Tu dis, t'as un mot à dire à ta mère? Bonjour maman, je passe à la télé. Enfin presque. Bon, alors, vlog vite fait dans la bagnole pour vous expliquer ce qui va se passer aujourd'hui. Putain, on voit même le câble que j'ai mis pour le micro, c'est n'importe quoi. Alors, rigole pas. Bon, donc explication vite fait. Donc là, sur le week-end, on va aller direction la chapelle en Val-Goldemar. Donc on va passer ce village. Une fois qu'on a passé ce village, on va aller du côté de l'hôtel de Gio Bernet, je crois. Et là, on fait la première rando. La première rando, c'est un dénivelé de 600 mètres. Donc, on n'est pas des gros randonneurs, nous. Hein. Ça fait très longtemps que j'ai pas randonné. Une vraie belle randonnée. 300 maxi, moi, j'ai fait. Bon, voilà. Donc, ceux qui ont l'habitude de faire des treks, déjà, ils vont se foutre notre gueule déjà d'entrée, quoi. Dès qu'ils voient cette vidéo. D'un coup, on montre le coffre. On vous montrera le coffre, je pense, ce soir, au moment du bivouac, parce que le bivouac, ça va être, je pense, folklorique. Donc, on va faire une rando qui est... Alors, ça s'appelle le lac bleu, lac Lauzon. On est à 2200 mètres à peu près, donc c'est plutôt cool, c'est plutôt sympa. Ensuite, donc, normalement, c'est une rando qui dure 3h20. Sauf que nous, on va pas juste randonner. On est photographe, donc voilà. On va s'arrêter tous les 5 mètres. Voilà, donc j'ai tablé sur du 6h. 3h20, 6h, bon, le ratio, voilà. Donc on va faire ça. Et si on se sent en jambes, ce soir, on part du côté de Prapic. Pour après, donc on redescend, c'est vers Orcière, pour aller shooter de la marmotte. Et comme ce sera au coucher du soleil, il y a de chouettes photos à faire, déjà au coucher de soleil, etc. Mais en plus, on espère aussi, pourquoi pas, voir les prédateurs, hein, puisque c'est quand même encore plus sympa. Donc s'il y a un renard qui veut bouffer un bébé marmotte devant nous... L'idée est le bienvenu. C'est dégueulasse, mais c'est la nature, quoi. Donc voilà. Donc il peut. Donc ça, c'est le premier point. Donc d'ailleurs, il faudra que tu changes, parce que ton truc jaune, là, ça va être... Il va devoir à 500 mètres. Hein. Bah ouais. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, si jamais on fait pas ça ce soir, on le fera demain matin. Mais j'espère vraiment qu'on fera ça ce soir, parce que demain matin, j'ai prévu sinon une autre rando, qui dure aussi 3h30. Et en fait, ça suit tout un cours d'eau. Donc ça peut être vraiment, vraiment pas mal. Et en termes de photos, et puis la balade en elle-même, pour se finir sur le week-end, tu vois. Voilà. Et en plus, j'ai vu qu'il y avait un refuge sur cette rando qu'on pourrait faire demain. Il y a un refuge où on peut même bouffer là-bas, quoi. Ouais. Enfin, en gros, ça fait petit resto, quoi, et petit resto d'altitude qui pour bien finir le week-end. Voilà, histoire de bien manger. Hein, voilà. Et voilà. Et donc ce soir, donc là, je vais vous faire la vidéo de cette rando. Ce soir, je ferai une vidéo pour le bivouac, parce que le bivouac, franchement, il va falloir être un peu indulgent avec pour ceux qui sont habitués à bivouaquer, parce que là, franchement, on vient de regarder, c'est n'importe quoi. Le coffre est plein, c'est vraiment débile. Donc, que le camping-car, en fait. Hein. Ouais, voilà, c'est ça, en fait. on se retrouve tout à l'heure pour la rando. Attends, j'ai oublié de te poser une question. Oula. Oui. Tu l'aimes bien, Sylvain? Sylvain? Tu me parles de ça par rapport à son changement actuel de boîtier? Ah oui, ouais, c'est vrai qu'il a grave changé quand même, ça. Ouais. Voilà. C'est plus le même. Hein. Non, du tout. Ah non. Et Jeff, c'est bien Jeff? Jeff, il fait de moins en moins de tutos quand même. Hein. Je serais à la limite. Il commence à devenir un peu. Ouais. Hein, hein un, c'est peu. Un peu. Un peu. Un peu. Un peu. Voilà. Un peu. Un peu.
à la veille de sa vidéo où il fait le bilan en plus, c'est ouais, ça ouais. Compte très, très bien. Il se la raconte un peu quand même. Hein. Un peu, ouais. Ouais. Un peu. Ouais, c'est ouais, j'achète du gros matos, machin. Ouais, mmh. Ouais, c'est ça. Ça. Et Laurie ? Je connais pas. Je peux pas la dire. Je connais pas tout le monde, hein. Je connais pas tout le monde, hein. Bon, bah, tu iras t'abonner à la chaîne de Laurie. Tout à fait. Bon. On peut peut-être dire aussi quelque chose sur. Non, mais Laurie est très gentille, donc. Sur. Laurie, on l'aime bien. Comment sur quelqu'un qui me manque beaucoup. Ah. Hein, c'est Arnaud. Paix à son âme. Là, Arnaud. Il tourne plus de vidéos. Ah hein. Non. Non, il y en a que pour sa chaîne de merde, là, sur l'astronomie. Ouais, sur l'Astrono Geek. Super. Ouais, super. On préfère tous l'astrologie. Hein, c'est super. Donc, carrément, c'est une science exacte. L'astrologie. Quoi, faut arrêter. C'est quoi. Ça. Astrologie, c'est la vie. Bon, alors évidemment, ben, la chaîne des copains, tout sera mis dans la description. Donc, si vous n'êtes pas déjà abonné, ben, allez-y. Quoi, hein. Voilà, objectif féminin, ça déjà, check. Et là, on va remettre la clim parce qu'il commence à faire chaud. J'ai trop chaud. Et on commence à avoir la condensation de partout là. Donc, allez, hein, on est parti. Allez, bisous. C'est bon, c'est synchronisé. Allez. Bonjour. Ouais, voilà, les amis. On est arrivé. Et à peine arrivé, il va falloir qu'on s'arrête déjà pour sortir l'appareil photo. Parce que à peine on arrive. Et il y a déjà les marmottes. Donc voilà. Donc regardez où on est garé. Vous voyez, c'est un peu. On s'est mis un peu en mode galère là pour pouvoir se garer parce que c'est blindé. Et ben vous voyez où on est quoi. Ah, je suis obligé de sniffer moi quand c'est comme ça. Ce bon air pur là. Ah, ça sent bon quand même. Donc là on va tout là-haut là, vous voyez. Presque tout là-haut. On va donc lac bleu, lac Lauzon. Une belle rando normalement de 3h20, mais donc comme je l'ai dit tout à l'heure. Qu'on va prolonger, c'est sûr. Je sais pas ce que t'en penses, les marmottes, on les shootera après, non? Les marmottes, on les shoot sur le retour. Parce qu'elles y seront encore. Hein. Il y a des chances, ouais. Elles y seront encore. Hein. Il y a des chances. Puis si elles y sont pas, j'aurai dans le cul. C'est juste que là, j'ai la flemme de sortir. Je vais juste de tout installer. On va juste de se préparer. J'ai le bazooka dedans, là, je me sens pas déjà le sortir maintenant. Donc, mais bon, là on va continuer. Enfin, on va démarrer tranquillement. La rando, hein. Démarrer. Bon, en tout cas, juste pour les amis parisiens, là. Eh ben ici. Je suis frais. Ici, c'est pas Paris, hein. Vous voyez? Attendez, là. Là, c'est une cascade. C'est de l'eau. Je vais me faire des amis, ouais. Surtout que j'en ai quelques-uns d'abonnés parisiens. Mais non, je les aime. Oh là là, on rigole un peu. Oh. Alors non, c'est surtout que si je fais cette blague à la con, mais qui moi me fait beaucoup rire évidemment, c'est pour faire un petit peu la pub pour une chaîne. C'est un running gag un peu parce que c'est une chaîne du sud, hein, donc c'est un peu un running gag sur leur chaîne. C'est une chaîne qui n'est pas du tout photo, mais si vous aimez les beaux paysages, les randos, les drones, etc., eh ben vous allez vous régaler parce que c'est une chaîne énorme. Ça s'appelle les Trekkers Compulsifs. C'est avec Seb et Lucas. Et moi, j'ai découvert la chaîne il y a seulement 3 semaines et je l'ai tuée déjà. J'ai regardé toutes les vidéos. Donc, c'est énorme. Enfin, moi, je trouve vraiment que c'est très, très bien fait. Donc, voilà, juste... allez faire un tour sur leur chaîne, je vous mettrai le lien dans la description. Bon, alors on a deux. Il y a deux solutions. 1h15. Lac du Lauzon. Ah putain, ils nous donnent 1h15 le lac du Lauzon. Sauf que nous. On va sur le double. Sauf que nous, c'est pas le lac du Lauzon où on va, c'est d'abord le lac bleu. Donc, il faut qu'on va continuer, il faut qu'on continue, qu'on longe ça. Mais c'est pas dit que. Je crois que nous, il va falloir qu'on trace tout droit en fait après. Ouais, c'est parce que nous, en fait, on va avoir un très gros dénivelé d'entrée. On arrive en haut et la plus longue, après, on a 1h15 pour redescendre à peu près.
Donc c'est grosso modo c'est ça. Voilà. Bon, c'est parti. Ouais, voilà les gars. Moi je dis toujours les gars, il y a des filles aussi qui regardent. Alors, ça fait quoi? Une demi-heure? Une demi-heure après qu'on est parti. Vous voyez, on était là tout en bas. Tout en bas. Et on est déjà obligé de s'arrêter en fait. C'est ce que je craignais. C'est que c'est trop magnifique. Donc, alors là, nous en fait, on n'est pas passé par le chemin que vous voyez en bas, que vous avez vu en bas là. On n'est pas passé par ce chemin là. Mais on est passé par le. Bah, parce que. Là, il y a un glacier. On est. Ouais, il serait un glacier là, on a un glacier. Je comprends pas comment ça se fait qu'il s'est pas cassé la gueule parce que il fait 18 degrés, 17 degrés. Alors on voit que ça a travaillé, hein. Il y a une belle taille. Mais voilà quoi, avec juste ça en vue, c'est exceptionnel. Voilà. Voilà. Et là on a l'ami Mathieu qui est en train de prendre quelques clichés et ben, je crois que je vais faire la même chose. Bon, on fait une pause. Alors il rigole, je vais vous dire pourquoi il rigole. Bon, on vient d'être. Déjà, bon, juste avant, faut que je vous montre cet endroit qui est absolument magnifique. Donc là, je viens de faire plusieurs pauses longues où je me suis mis en fait là-dedans. Carrément là-dedans. Donc c'est. Faut quand même faire attention parce que s'il y a une crue éclair, ben, je suis emporté, mais. Là, on a un beau temps, hein, franchement, donc logiquement, ça va. J'ai pas pris trop de risques. Donc, j'ai pris plusieurs photos, donc là, je vais vous les montrer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, on n'est toujours pas arrivé au lac bleu. Ok ? On a démarré à 11h30, midi moins le quart. Donc, on a démarré à la bourre. 11h30, midi moins le quart. Quelle heure il est ? Je crois qu'il est 2h30. 3h moins 5. Eh oui. Putain. On va faire demi-tour, garçon. Donc il est 3h moins 5. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est arrêté quasiment tout le temps. Le temps de prendre des photos, de prendre des vidéos. Enfin, c'est allé super vite. Donc en fait, on n'a rien vu passer comme temps. Et on a mis, ben, c'est pas compliqué, ce qu'on devait faire en une heure, on a mis 4 heures. Non, c'est pas possible. Ben si. Oh l'enculé. Donc en fait, ce qu'on avait prévu de faire ce soir, ben je pense qu'on va pas le faire. Hein? Parce qu'on n'est pas encore au lac bleu. On n'a même pas encore mangé là. On est en train de se restaurer un petit peu, machin, mais c'est n'importe quoi. Voilà. Bon en fait on peut dire qu'on est les trekkers du dimanche. Hein? Les trekkers du dimanche, mais le samedi. Donc le truc, on a mis 4 heures au lieu d'en mettre 1 heure. N'importe quoi. Mais bon. On s'est quand même bien amusé. On n'en a pas pris tant que ça. Hein. Pas tant que ça pour l'instant. Pas tant que ça. Mais là, rien que pour la pause longue, on est resté une demi-heure à peu près. Voire trois quarts d'heure, facile. Et là, il est en train de faire en plus un petit time-lapse pour lui. Donc, ça prend du temps. Hein, voilà. Mais bon, quand on aime, on compte pas. Bon, on finit de manger un peu et puis on va au lac. Hein, parce que là... Il y a marqué 30 minutes là-haut. T'as vu qu'il y a un squelette? Hein? T'as vu le squelette? Oh merde, ouais, j'ai pas fait gaffe. Tu comprends pourquoi il faut filtrer l'eau?